Donc, bismillah, on commence notre premier cours. Donc, le chapitre 1, c'est des rappels. C'est des choses que vous connaissez normalement. On va juste rappeler, il y a la terminologie, les termes de probabilité qu'on va utiliser. Il y a deux ou trois théorèmes classiques qu'on est obligé de connaître. Bon, à la fin, peut-être on laissera les exercices pour la séance prochaine, chapitre. Donc, ensemble fondamental et événement. Alors, on note oméga. Grand oméga, comme ça, grand oméga, l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience donnée. Donc, on fait une expérience, on ne sait pas ce qu'elle va donner. On fait une expérience, on ne sait pas ce qu'elle va donner, mais on connaît les résultats possibles. Toutes les éventualités, on les connaît. On les réunit dans un ensemble qu'on appelle grand oméga. C'est ce qui s'appelle l'ensemble fondamental. Donc, l'ensemble fondamental fait les résultats possibles d'une expérience qu'on connaît, dont on ne connaît pas le résultat. Bien. Alors, tous ces ensembles A, une partie de oméga, est appelée événement. Donc, un événement, c'est des résultats possibles. C'est des résultats possibles. Pas tous les résultats possibles, c'est des résultats possibles. Alors, le singleton, je rappelle ce que c'est qu'un singleton. Un singleton, c'est un ensemble qui contient un seul élément. Un singleton, c'est un ensemble qui contient un seul élément. Est appelé événement élémentaire. Événement élémentaire. Donc, un ensemble qui contient plusieurs éléments est appelé événement, un ensemble qui contient un seul élément est appelé événement élémentaire. Alors l'ensemble vide, qui est un lien, est appelé événement impossible. Et grand oméga est appelé événement certain ou sûr. Grand oméga, c'est ce qui s'appelle l'événement certain ou sûr. Bien. Alors, quand on a deux événements, je rappelle deux événements, peuvent être vus comme étant deux sous-ensembles de grand oméga. Donc c'est des résultats possibles. Sont disjoints. Ça veut dire quoi, disjoint? Mais un monde facile, l'intersection, c'est l'ensemble de vie. Il n'y a pas d'élément commun entre A et B. Il n'y a pas d'élément commun entre A et B. Si A inter B est égal à l'ensemble vide, on dit qu'ils s'excluent mutuellement. Ça veut dire quoi, ils s'excluent mutuellement? Mais la même question, ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Si A s'est réalisé, B ne peut pas se réaliser. Si B est réalisé, A ne peut pas se réaliser. On dit que A et B s'excluent mutuellement. S'excluent mutuellement. Donc, ils ne peuvent pas se réaliser simultanément. Alors, par exemple, je prends un petit exemple. On jette un dé. Alors, dé, c'est Hajar Nard. C'est un cube qui a six faces ou coule face et numéroté. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que tout le monde connaît ce que c'est qu'un dé. On lance un dé, on le jette et on observe les résultats. Donc, les résultats possibles, des résultats possibles. C'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas quel chiffre va apparaître, mais on sait que c'est l'un de ces six chiffres. Donc, on connaît les résultats possibles. On connaît les résultats possibles, mais on ne connaît pas ce qu'on va obtenir. Alors, grand oméga, c'est ce qui s'appelle ensemble fondamental. Ici, l'ensemble fondamental, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je prends un événement particulier, je pose, grand A, là je pose, grand A, c'est l'événement correspondant à l'apparition d'un nombre pair. Bon, là je choisis ça, je choisis ça. Je prends A, c'est l'événement correspondant à l'apparition d'un nombre pair. Là, ce qui m'intéresse, c'est les nombres pairs. Vous voyez bien que les nombres pairs ici sont 2, 4 et 6. Ici sont 2, 4 et 6. Donc A, ça va être l'événement. 2 apparaît, ou 4 apparaît, ou 6 apparaît. Maintenant, le dé, et je vois si 2 ou 4 ou 6 apparaît. Donc A, c'est l'événement correspondant à l'apparition d'un nombre pair. B, c'est l'événement correspondant à l'apparition d'un nombre premier. Bien. Alors, regardez bien. Premier, ça veut dire ouais. Premier, ça veut dire il y a quelque chose à bien comprendre, c'est qu'en probabilité, je peux écrire les choses avec des phrases, comme ceci. Tu fais des jumelles là, l'événement correspondant à l'apparition d'un nombre pair, comme je peux les écrire comme étant des ensembles. Ça, c'est le formalisme. Il faut bien comprendre ça. Pour vous faciliter les exercices, il faut toujours transcrire les phrases en ensemble. L'événement correspondant à l'apparition d'un nombre pair, c'est 2, 4, 6.
L'événement correspond à un nombre premier, c'est 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2 est un nombre premier. D'accord? Alors, si je prends le complémentaire de A dans oméga, le complémentaire, c'est 1, 3, 5. 1, 3, 5. Le complémentaire de A dans oméga, c'est 1, 3, 5. C'est l'équivalent de A sur oméga. 1, 3, 5. Ça, c'est ce qui correspond au nombre impair. Ça, c'est ce qui correspond au nombre impair. On voit que A et le complémentaire de A s'excluent mutuellement. Mais il peut y avoir un « hadam haqqaq » ou « hadam haqqaq » en même temps. Ce n'est pas possible. Soit un dit 2, 4, 6, soit un dit 1, 3, 5. Donc, A et complémentaire de A s'excluent mutuellement. Il est impossible que A et son complémentaire se réalisent en même temps. Par contre, A et B ne s'excluent pas mutuellement. Vous voyez bien que A inter B, ici, A inter B, ça donne 2. Donc, ils ne s'excluent pas mutuellement. Il y a un cadre qu'on a ou bien avec le 2. Bon, je continue toujours dans des exemples. Exemple 2, on jette une pièce de monnaie. Donc, pièce de monnaie, c'est pile ou face. Alors, ici, on vous dit, on jette une pièce de monnaie. Donc, on reste la pièce de monnaie. Et on sait face. Donc, quand on jette une pièce de monnaie, il y a cette pile, il y a cette face. Là, on vous dit, on va jeter la pièce de monnaie. On va répéter. C'est rouge de la face. Ah, bien. Donc, si vous voulez, ce qui nous importe, c'est face. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On compte le nombre de fois que l'on a jeté la pièce. Donc, quand on fait ça la première fois, rouge les faces. Donc, je vais remettre la pièce une seule fois. La première fois était les piles, la deuxième fois était les piles, la troisième fois était les faces. Donc j'ai jeté trois fois, ainsi de suite. Alors l'ensemble fondamental, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'importe? Qu'est-ce qui m'importe? C'est le nombre de jets, le nombre de fois que j'ai jeté la pièce. C'est le nombre de jets. Alors j'ai de la chance et je l'envoie une seule fois était les faces, ou cadre amroule était les faces. Donc je jette, c'est toujours pile. Donc là, l'ensemble fondamental, c'est 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Et ça peut aller jusqu'à l'infini. Alors ici, l'infini, c'est dire que ça correspond au cas où face n'apparaît jamais. Je jette plusieurs fois, où face n'apparaît jamais. Donc pour moi, j'ai jeté infiniment de fois, une infinité de fois, sans jamais que face apparaisse. Alors ça, c'est un ensemble oméga fondamental qui est infini. Ça, c'est un ensemble infini. Donc, l'ensemble oméga des résultats possibles, peut être infini. Alors là, c'est un infini dénombrable. Ça veut dire quoi? Dénombrable, ça, je peux compter. 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Alors, un infini non dénombrable, c'est un intervalle. Je ne peux pas compter. Par exemple, si je prends 1, l'infini comme intervalle, 1, l'infini comme intervalle, je ne peux pas compter. Je ne peux pas compter il y a combien d'éléments. Là, je peux compter 1, 2, 3, 4. Ça peut aller jusqu'à l'infini, c'est comme n. Ça peut aller jusqu'à l'infini, mais c'est ce qui s'appelle un infini dénombrable. Je peux compter un infini dénombrable. Donc ça, c'est pour la terminologie des événements. Maintenant, j'attaque ce qui s'appelle les axiomes de calcul de probabilité. Axiome, maintenant, le kawaïd, si vous voulez. Kawaïd, je connais dit une probabilité. Donc, je démarre. J'ai oméga, un ensemble fondamental, donc fait égal les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Aléatoire, ça veut dire dont je ne connais pas les résultats, le résultat précis, mais je connais les résultats possibles. On dit que P est une fonction de probabilité. Si P de A, c'est la probabilité de l'événement A, si l'on a les axiomes suivants. La première règle, la plus importante, c'est qu'une probabilité d'un événement est toujours comprise entre 0 et 1. Ça, c'est très important. Très important. La probabilité, toujours comprise entre 0 et 1. Il y a un exercice où j'ai testé la probabilité. Tu as 1,5, tu te trompes. Parce que tu es out. Il y a une probabilité où tu es négative, tu te trompes. Out de calcul. Donc, ça, c'est le plus important. Une probabilité toujours comprise entre 0 et 1. Une probabilité égale à 5, ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Probabilité. J'insiste sur ce point. Parce que souvent, les étudiants sont focalisés sur les calculs
ويسهى على هذا الكالكول يغلط في الكالكول يسيب 3.5 يخليها 3.5 الى صبت بروبابيليتي 3.5 راه غلط فور فيرتيكال برومي بوين تري امبورط باش تكون عندي بروبابيليتي خاصها تكون اونتر 0 دوزيام بوين سي كو لا بروبابيليتي دي لونسون فوندامونتال غرونت اوميغا سي 1 سي الماكسيموم probabilité de la réalisation de l'ensemble fondamental, c'est 1, c'est le maximum. Si A et B sont deux événements qui s'excluent mutuellement, je rappelle, s'excluent mutuellement, ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. A inter B égale l'ensemble vide. A inter B égale l'ensemble vide. Si A et B s'excluent mutuellement, la probabilité de A union B, c'est probabilité de A plus la probabilité de B. Il est qu'un nous, il s'exclut mutuellement, j'insiste, il est qu'un A inter B égale l'ensemble vide. Alors, la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités. Donc, une probabilité transforme l'union en somme, il est qu'un nous, les ensembles, les événements s'excluent mutuellement. Quatrième et dernier point. Maintenant, si j'ai des événements, une suite d'événements infinis, on dit A1, A2, A3, tel à l'infini, une suite d'événements qui s'excluent mutuellement, 2 à 2. Zouj, s'excluent mutuellement. A1 inter A2 égale l'ensemble de vide, A1 inter A3 égale l'ensemble de vide, A2 inter A3 égale l'ensemble de vide, ainsi de suite. Ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Alors là aussi, ça généralise ça. Ça généralise cette affaire. Probabilité de l'union, A1, union A2, union A3, ainsi de suite, c'est probabilité de A1, plus probabilité de A2, plus probabilité de A3, plus ainsi de suite. Ce que je peux écrire comme ceci, l'union de K allant de 1 jusqu'à plus l'infini des AK, la probabilité de l'union des AK, K allant de 1 jusqu'à plus l'infini, c'est la série de K allant de 1 jusqu'à plus l'infini des probabilités des AK. Donc, une probabilité transforme l'union, l'union en somme. Probabilité de A union B est égale à la probabilité de A la probabilité de chart, condition, à condition que les événements s'excluent mutuellement. L'intersection, c'est l'ensemble de vide. Ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Donc ça, c'est les quatre axiomes d'avoir pour avoir une probabilité. Maintenant, il y a une probabilité, alors, des conséquences, qu'on va les voir en exercice. Première conséquence, c'est que la probabilité de l'ensemble de vide, c'est 0. La probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. Alors ça, c'est trivial, on peut le voir. En fait, on peut voir ça comme étant l'ensemble vide, union, l'ensemble fondamental, union oméga, l'ensemble vide, union oméga, ça donne oméga. Donc la probabilité de l'ensemble vide, union oméga, c'est 1. Sauf que oméga et l'ensemble vide s'excluent mutuellement parce que oméga inter l'ensemble vide, ça donne l'ensemble vide. Donc, probabilité de l'ensemble vide union oméga, c'est probabilité de l'ensemble vide plus probabilité de oméga. Donc là, je vais avoir probabilité de oméga. Là, je vais avoir probabilité de l'ensemble vide plus probabilité de oméga. Donc, forcément, probabilité de l'ensemble vide est égale à 1 moins 1. 1 moins 1, ça donne 0. Donc, on verra ça en exercice. On refera ça en exercice. Probabilité de l'ensemble vide, ça c'est une conséquence directe des axiomes, de les quatre axiomes, c'est une conséquence, c'est que probabilité de l'ensemble vide est égale à 0. La deuxième aussi est assez facile. En fait, on vous dit la probabilité du complémentaire de A, la probabilité du complémentaire de A. Alors aussi, il y a aussi une notion en probabilité, c'est que le complémentaire, souvent, on le note A bar, A fuga areda, qui moi la négation, A fuga areda. Donc, on peut noter complémentaire de A ou bien A bar. C'est 1 moins la probabilité de A. C'est 1 moins la probabilité de A. Là aussi, c'est trivial parce que A union son complémentaire, A union son complémentaire, ça donne grand oméga. Et on utilise ça pour démontrer que la probabilité du complémentaire est égale à 1 moins la probabilité de A. Donc, il faut retenir avec ces deux-là, probabilité de oméga est égale à 1, probabilité de A union B est égale à probabilité de A plus probabilité de B, on peut avoir ces deux. Là, c'est un petit peu plus difficile. Il faut un petit peu innover. Si A est inclus dans B, A mouhtawat B, alors forcément, la probabilité de A est inférieure ou égale à la probabilité de B.
Si A est inclus dans B, alors la probabilité de A est inférieure ou égale à la probabilité de B. Là aussi, on a deux événements donnés, A et B, deux événements donnés. Alors la probabilité de A union B, probabilité de A union B, est égale à la probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Alors, je trouve que quand A inter B, c'est l'ensemble vide, ben A et B s'excluent mutuellement. Probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. J'ai une probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus probabilité de B. Je retrouve le cas particulier ici. On a la formule qui compte A ou B s'excluent mutuellement. Maintenant, A inter B égale l'ensemble vide. On a la formule quand A et B s'excluent mutuellement. A inter B égale l'ensemble vide. Donc, je la retrouve ici. Si A inter B est égal à l'ensemble vide, je retrouve probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. Donc, probabilité de A union B est égal à probabilité de A plus probabilité de B. Donc, la formule générale, c'est celle-là. C'est-à-dire, il y a la formule générale. Ça, c'est la formule générale. Probabilité de A union B est égal à la probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. Donc, ça, c'est pour deux événements. Attention, attention, pour trois événements, on a une formule un petit peu plus particulière. La probabilité de A union B union C est égale à probabilité de A plus probabilité de B plus probabilité de C. Attention, moins probabilité des intersections 2 à 2. Probabilité de A inter B moins probabilité de A inter C moins probabilité de B inter C plus, attention, là c'est un plus, probabilité de A inter B inter C. Donc ça c'est la formule pour l'union de trois événements A union B union C. Très important, souvent ici, les étudiants oublient ce terme-là. Attention. Bien. Donc maintenant, on passe aux ensembles probabilisés finis. Donc, on dit un nombre fini de résultats possibles. On dit un ensemble fondamental qui est fini. Soit oméga, un ensemble fondamental fini. On dit un nombre fini de résultats possibles. Donc, on peut dire A1, A2, A3, jusqu'à AN, maximum. Si à chaque élément AI, à chaque élément, à chaque résultat possible, AI, on attribue un nombre réel, PI, vérifions les propriétés. Donc, on peut simplifier ce que c'est qu'une probabilité. Donc, à chaque événement, à chaque singleton ici, à chaque événement élémentaire, j'associe un PI. Donc, quel que soit I, les PI sont positifs, 2I, P1 plus P2 plus PN est égal à 1, alors on a une probabilité. Alors là, Hadou les pays, ça représente les probabilités de ça. On dit que l'on a un ensemble probabilisé fini. Fini. C'est-à-dire une probabilité sur un ensemble fini. Alors là, pour calculer la probabilité d'un événement, c'est facile. On fait la somme. La probabilité d'un événement A. Maintenant, A fait A2, A3, A10. Alors la probabilité de A, c'est la probabilité de A2 plus probabilité de A3 plus probabilité de A10. Donc, la probabilité de A, c'est la somme des P de AK, des singletons, des événements élémentaires qui sont contenus dans grand A. Donc, on notera souvent probabilité de AK, la probabilité du singleton. Voilà, pour ne pas avoir à mettre des parenthèses et des accolades, on note juste comme ça. Parfois, on le note P de K, hein, voilà, comme ceci. P de K ou la P de N, ainsi de suite. P1, P2, ainsi de suite. Alors, je prends un exemple. On a trois étudiants, donc c'est mieux comme étudiant 1, E1, étudiant 2, étudiant 3. Donc E1, E2, E3. Ils vont faire une course, donc on met la taille, ils font une course entre eux. On vous dit, E1 a deux fois plus de chances que E2 de gagner. On a surblé E1, on a deux fois plus de chances que E2 de gagner. E2 a deux fois plus de chances que E3 de gagner. E2 a deux fois plus de chances que E3 de gagner. Donc, E3, c'est celui qui a le moins de chances de gagner. Il n'est pas très sportif. Donc, ils font une course, E1, E2, E3. On vous dit, quelle est la probabilité que E1, que E2, ou E3 gagne. Il y a E2, il y a E3 gagne. Ça, c'est la question. Bien. On va voir. Alors, on note. Toujours, faut mettre un formalisme dans votre exercice. Toujours mettre un formalisme. On note, probabilité que E3 gagne, probabilité que E3 gagne, c'est mieux un petit p. Probabilité de E3 gagne, c'est mieux un petit p. Donc, la probabilité,
gagne la course, Smiouha peut tiper. On vous dit que E2 a deux fois plus de chances. Donc la probabilité que E2 gagne, c'est deux fois la probabilité de E3. Donc c'est 2P. Il a Smiouha dit petit P, qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas. Alors, probabilité de E2, c'est deux fois plus. Ou E1 a encore deux fois plus de chances que E2. Donc la probabilité que E1 gagne la course, c'est encore deux fois probabilité de E2, qui est elle-même deux fois probabilité de E1. Donc ça fait deux fois deux, donc 4P. Donc, si vous voulez, si P que E3, l'étudiant 3 gagne, c'est mieux petit P. E2 a deux fois plus de chances. E1 a quatre fois plus de chances. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a une condition qui est obligatoire, qui est celle-ci. La somme des PI doit être égale à 1. Donc, je suis obligé d'avoir ici, si je fais la probabilité de E1 plus la probabilité de E2 plus la probabilité de E3, je suis obligé d'avoir 1. Je suis obligé d'avoir 1. Donc, de là, je tire. Probabilité de E1, c'est 4P. Probabilité de E2, c'est 2P. Donc, 4P plus 2P. Probabilité de E3, c'est P. Donc, 4 plus 2 plus 1, ça fait 7. Donc, 7P est égal à 1. Donc, la probabilité P, petit P, c'est 1 sur 7. Maintenant, ça y est, je connais toutes les probabilités. Donc, ici, on va avoir probabilité de E1, c'est 4 sur 7. Probabilité de E2, c'est 2 sur 7. Probabilité de E3, c'est 1 sur 7. Si je fais la somme, je suis obligé d'avoir 1. Sinon, je n'ai pas de probabilité. Il y a une erreur. Alors, la question, je reviens à ma question. On nous a dit, quelle est la probabilité que E2 ou E3 gagne? E2 ou la E3? Donc, je cherche probabilité de E2, E3. Probabilité de E2, E3. Comme on est dans un ensemble fini, donc ça, c'est la probabilité de E2 plus la probabilité de E3. Donc, je fais juste la somme. E2, c'est 2 sur 7. E3, c'est 1 sur 7. Donc, 2 plus 1, ça fait 3 sur 7. Donc, ça, c'est ce qui me donne la probabilité que l'étudiant 2 ou l'étudiant 3 gagne. Alors, je passe à un cas encore plus particulier. Toujours fait ensemble fini. C'est ce qui s'appelle un ensemble fini équiprobable. Égal. Ils ont tous la même probabilité. Tous les événements ont la même probabilité. C'est ce qui s'appelle un ensemble fini équiprobable. Donc, je prends oméga, donc c'est un ensemble fini, fait A1, A2, AN, un ensemble fini d'événements fondamental, donc un espace fondamental fini. On attribue des probabilités égales au AI. C'est ça équiprobable. On a la probabilité de A1 t'haqqaq, ou la probabilité de A2 t'haqqaq, ou la probabilité de A1 kif. Elles sont égales. Elles sont égales, kif. C'est ce qui s'appelle un ensemble équiprobable. Alors, probabilité de A1 est égale à la probabilité de A2 est égale à la probabilité de A3, ainsi de suite, est égal à P. On dit que l'on a un espace équiprobable ou uniforme. Équiprobable, c'est le cas, équiprobable ou bien uniforme. Ça va revenir souvent. Elle dit uniforme, on va la revoir souvent. Alors, puisque je suis obligé d'avoir la somme des PI, des probabilités de AI est égale à 1, probabilité de AI est égale à 1, sinon, elle dit probabilité, parce que la somme de Hunga, il y a la probabilité de grand oméga, c'est égal à 1. Je suis obligé d'avoir ça. Alors, je remplace. Vous avez la somme des PAI. C'est en fait, c'est la somme des P. Donc, c'est P plus P plus P, N fois. Donc là, vous avez forcément NP est égal à 1. NP est égal à 1. Donc, P est égal à 1 sur 1. Donc, 1 sur le nombre d'éléments. Donc, en fait, ici, la probabilité de chaque événement, c'est 1 sur le nombre d'éléments. Donc, si on vous donne un événement quelconque, A, ça, c'est ce qui va donner la fameuse formule. On dit A formé de, disons par exemple, K événement élémentaire, fait K élément, A fait K élément, fait le K. Donc la probabilité de A, ça va être égal à K fois 1 sur 1. L'on va K sur 1. Et ça, c'est ce qui donne la fameuse formule. La probabilité d'un événement dans un cas uniforme, dans un cadre uniforme, la probabilité d'un événement A, c'est le nombre de K favorables à la réalisation de A, cas favorable à la réalisation de A, sur le nombre de cas possibles. Maintenant, c'est ce qui dit cardinal de A sur cardinal de oméga. Adad anasir A, maqsoum ala adad anasir, c'est l'ensemble fondamental oméga. C'est ce qui donne aussi la fameuse formule que vous connaissez normalement, nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc, la probabilité d'un événement
c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas positifs. On prend ici un petit exemple. Ah oui, ah, voilà. Voilà. Je prends ici un petit exemple. Alors, tirons une carte au hasard d'un jeu de 52 cartes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien des jeux de cartes. Donc, carte, je ne sais pas, Nadjin Rami, par exemple, fait le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Ok, le valet, au dame, au roi, et l'as. Alors, elle dit qu'il y a en quatre couleurs, qu'il y a le carreau, qu'il y a le cœur, qu'il y a le pique, ou qu'il y a le trèfle. Il y a quatre couleurs, carreau, pique, trèfle, cœur. Et chaque couleur contient 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou qu'il y a le valet, la dame, le roi, et l'as. Donc, chaque couleur fait 13 valeurs. Ou on dit quatre couleurs. Donc, A, je note, A, la carte est un carreau. Donc, tirons une carte au hasard d'un jeu de 52 cartes. On dit deux événements, on s'intéresse à ces deux événements. A, la carte est un carreau. Vous mettez une carte couleur, carreau, cœur, trèfle, pique. Ou B, la carte représente une figure. Alors, les figures sont le valet, le dame, le roi. On a fait une soirée, mais c'est un valet, le dame, le roi. Donc, une figure. B, la carte représente une figure. On vous dit calculer les probabilités de A, probabilité de B, probabilité de A inter B. Bien, la probabilité de A, en fait, c'est les cas favorables sur les cas possibles. Donc, c'est le nombre de carreaux sur le nombre de cartes. Alors, la carte, les cas possibles, gars, c'est seconde 2. Donc, je vais diviser par seconde 2. Ça, c'est grand oméga, si vous voulez, fait seconde 2 éléments. Tout le jeu de cartes fait seconde 2 cartes. Donc, seconde 2 éléments. Ou les carreaux, on dit 13. Donc, chaque couleur fait 13 cartes. Donc, 13 sur seconde 2, ça fait 1 sur 4. On aurait très bien pu mettre, donc, un des 4 couleurs. Donc, c'est une couleur sur 4 couleurs. On aurait pu faire ça autrement. Un des 4 couleurs, les homas, cœur, carreau, trèfle, cœur, pique. Donc, pour avoir un carreau, c'est 1 sur 4. Cas favorable sur cas possible. J'ai compté toutes les cartes, cas favorable sur cas possible. Alors, les figures. Les figures, quelle couleur fait trois figures? Le valet, le dame, le roi. Puisque j'ai quatre couleurs, j'ai 12 figures. Valet, le dame, le roi, tel pique, valet, le dame, le roi, tel cœur, valet, le dame, le roi, tel trèfle, ou valet, le dame, le roi, tel carreau. Donc, on dit 12 couleurs, 12 figures, sur cas possible, seconde. 12 sur seconde 2, je simplifie, ça me fait 3 sur 13. 3 sur 13. Donc, ça, c'est la probabilité d'avoir une figure. Probabilité d'avoir une figure. Maintenant, on vous dit la probabilité de A inter B. A inter B, c'est-à-dire d'avoir une figure de carreau, A inter B. Carte est un carreau, c'est une figure. Donc, figure de carreau. Donc, ce carreau, il y a trois figures. Nombre de figures de carreau, il y a trois figures. Sur le cas possible, c'est seconde. Alors là, on a appliqué la fameuse formule cas favorable sur cas possible. Donc, je compte, j'ai un cas favorable, on a gagné les cas possibles. Le jeu de cartes fait seconde de cartes, ou chaque fois, j'ai un cas favorable à l'événement, A inter B ou A ou la B, et je divise sur le nombre de cas total possible. On passe aux ensembles fondamentaux infinis. Alors, le cas infini, il y a deux cas. Il y a infiniment dénombrable, mais la capacité de, ou l'infiniment dénombrable, il y a beaucoup de cas finis. بزاف للكاف فيني هذا انفينيمون دي نومبر سي براتيكمون كيما فيني براتيكمون دونك برسك تو سكي سباس في الكاف فيني جو بو لو ميتر ايسي بار كونط سي اوميغا اي انفيني نون دي نومبر غير قابل للتعداد مثلا ان انترفال مثلا ان انترفال لا سا شونج تو لا سي كومبليتمون ديفير الوغ ان انفيني دي نومبر ان انفيني دي نومبر سي سا في ا 1 ا 2 ا 3 سان سارات جامي تروح حتى للانفيني مي جو بو لي كونتي Ah, qui moi n, par exemple, l'ensemble des entiers naturels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Ça ne s'arrête jamais. Mais je peux les compter. Ça, c'est ce qui s'appelle un infini dénombrable. Alors là, je fais la même chose que moi, dernier fait le cas fini. À chaque A1, A2, A3, je lui attribue une probabilité. Donc, à chaque événement élémentaire, c'est mon PI. Alors, les PI sont mes conos positifs. Ou qu'il dit la somme, en fait, on a la somme sur les séries. Si vous vous souvenez tout à l'heure, ça s'arrêtait à n. Ça va jusqu'à l'infini. Alors, elle dit, c'est une série. Ça n'est plus une somme, c'est une série.
Donc la somme, la série من 1 حتى l'infini, dp i doit être égal à. Donc c'est ce qui change. Au lieu de dire n, donc t'habbes, p1 plus p2 plus 3 plus pn est égal à 1. هنا ما تحبش سي بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3 بلس 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 سان ساري جامي دو افوار ايغال ا 1 ان فات سا سي تون ليميت سا سي تون ليميت لا ليميت كو ان تون فير بلس لانفي دونك جي دو كونديسيون سي لي ميم كي مو لونسوم فيني سي براتيكمون لا ميم شوز دونك انفيني دي نومبراب سا ريست اسي سامبل سا ريست اسي سامبل alors un infini non dénombrable comme je le dis c'est ça peut être représenté par un intervalle. Alors, je vais prendre un exemple pour illustrer ce que c'est qu'un infini non dénombrable. Bien. Alors, voilà l'exemple. On vous dit, on considère deux points au hasard. Donc, je prends deux points au hasard, x et y. De la droite réelle, on a fait l'adad al-haqiqiya, des nombres réels, on a fait au hasard, x ou y. X. نخيرها ما بين 0 و 3 و y نخيرها ما بين moins 2 و 0 vous voyez que là j'ai un intervalle l'intervalle moins 2 0 parce que c'est des réels et x j'ai l'intervalle 0 3 donc là aussi j'ai un intervalle donc ça c'est un infini non dénombrable c'est continu c'est un infini non dénombrable on dit intervalle ou intervalle alors c'est quoi la question on vous dit calculer la probabilité p pour que la distance masafa la distance, mais bien x ou y, soit plus grande que 3. La question est la suivante. Alors, je répète, c'est quoi l'expérience qu'on va faire? On a fait deux points, on a fait deux nombres réels, on a fait deux valeurs, x, mais bien 0, 3 au hasard. On a un point au hasard, mais bien 0, 3. On a un point au hasard, mais bien moins 2 ou 0. Quelle est la probabilité? Bêche la distance, mais bien x ou y. المسافة ما بين X و Y تكون كبر من 3 donc si vous voulez je fais un petit schéma ici donc X راه في l'intervalle 0, 3 ها هو l'intervalle 0, 3 c'est ça 0, 3 là j'ai X qui est entre 0 et 3 Y est entre moins 2 et 0 Y est ici moins 2 et 0 je choisis un X au hasard هنا في l'intervalle 0, 3 X au hasard où je choisis y au hasard à l'intervalle moins 2, 0. Je mesure la distance, mais bien sûr. La distance, c'est ça. Donc, on vous dit quelle est la probabilité que la distance soit plus grande que 3. Alors là, c'est un petit peu différent. Pour résoudre ça, on va utiliser un petit subterfuge. Bien, déjà, il faut définir la distance. La distance entre deux points, c'est la valeur absolue de la différence. C'est la valeur absolue de la différence. La distance, il y a le frac mabin x ou y. C'est la valeur absolue. Sauf que là, on a fait que x rah mabin 0 ou 3, ou y rah mabin moins 2 ou 0. Donc, x rah kbar min y. X rah kbar min y. Donc, la valeur absolue de x moins y, c'est x moins y. Donc, cette valeur-là est positive. Ça, c'est un cas particulier. Quand tu as j'aurais été obligé de laisser la valeur absolue. La valeur absolue. Mais là, on est sûr que les x, qui est dans l'intervalle 0, 3, il est plus grand que y, qui est dans l'intervalle moins 2, 0. Donc la distance, c'est x moins y. On vous dit quelle est la probabilité que x moins y soit supérieur à 3. La distance soit supérieure à 3. Quelle est la probabilité que x moins y soit supérieur à 3? X moins y supérieur à 3. Alors ça, je ne sais pas le faire. X moins Y supérieur à 3, je ne sais pas le faire. Moi, ce que je sais faire, c'est X moins Y égale 3. X moins Y égale 3. Alors, si j'ai réfléchi un petit peu, X moins Y égale à 3, ça, c'est l'équation d'une droite. Mou'adalat moustaqim. X moins Y égale à 3, ça, c'est une droite. Donc, je vais passer à R2. Donc, je mets les X ici. Je mets les Y là. Je fais un petit repère, donc je passe au plan R2, je mets les X ici, je mets les Y là, on est arrivé que X se trouve dans l'intervalle 0, 3, voici l'intervalle 0, 3, c'est les X, l'intervalle 0, 3, je sais que Y appartient à l'intervalle moins 2, 0, donc 0, 3, moins 2, 0, j'obtiens un rectangle, had mustatil. Ce rectangle-là, c'est là où se trouvent X et Y, X et Y, rahom hena. Les points x, y se trouvent
dans ce rectangle-là, dans ce rectangle-là. Donc ça, c'est grand oméga. Had al-mustatir huwa grand oméga. Des résultats possibles, des résultats possibles de notre expérience. Qadr x ikoun hna, qadr y ikoun hna. Walakin ana nhous ala, vous souvenez, x moins y supérieur à 3. X moins y supérieur à 3. Alors, on a x moins y supérieur à 3, ça n'a pas x moins y égal à 3. Donc, je trace l'équation y est égal à x moins 3. Oustakim, y est égal à x moins 3. Donc, j'ai besoin de deux points. Je trace y est égal à x moins 3. Ça me donne cette droite. C'est le moustakim, x moins y égal à 3. C'est cette droite-là. Bien. Alors, j'ai besoin de x moins y supérieur à 3. X moins y supérieur à 3. Alors, je vais x moins y supérieur à 3. Attention, mais je suis forcément le rame le fou. Attention, il faut faire très attention. Elle dit, c'est x moins y égale à 3. X moins y supérieur à 3. X moins y supérieur à 3. Mais je suis nécessairement le rame le fou. D'ailleurs, j'ai bien choisi l'exemple. Je suis comme le tête. Regardez bien qui va je comment savoir quel est le bon côté. Je prends un point, un des deux côtés. Je vais prendre le point. Le plus simple, 0, 0. Le point 0, 0. Maintenant, x égale 0 ou y égale 0. Je prends x égale 0 et y égale à 0. 0 moins 0 égale à 0. X égale 0, y égale à 0. 0 moins 0 égale à 0. Ça n'est pas supérieur à 3. Ça n'est pas supérieur à 3. Donc, ça n'est pas le bon côté. Le bon côté, c'est ça. C'est ce qu'il y a en bas. Donc, x moins y supérieur à 3, ramène le tête. Alors, x moins y supérieur à 3, c'est ça. Donc, c'est ce triangle-là qui va me donner mon événement A, la distance supérieure à 3. La distance supérieure à 3. Alors, tout ça, je n'ai pas encore calculé la probabilité. Alors, comment est-ce qu'on va calculer la probabilité? C'est cette surface, cette R, Hadel Miseha, cas favorable. Ça, c'est x moins y supérieur à 3, c'est ça. C'est ce triangle rectangle, Hadel Moutelet Al-Qa'im. Ça, c'est l'événement favorable, la distance de x moins y supérieure à 3, divisé par la surface de toute oméga. Un cas favorable sur cas possible. Cas possible, c'est tout ça. Ou cas favorable, c'est ça. Donc, probabilité de x moins y supérieure à 3, il y a le misséha ta'a, maximum le misséha ta'a, grand oméga. Alors, grand oméga, c'est facile. On a dit 1, 2, fois 3, ça fait 6. Unité de surface, centimètre carré, ou ce que vous voulez. Là, c'est, vous avez 2 fois 2, divisé par 2. Parce que ça, c'est un triangle rectangle. Vous faites le fra'im. Vous avez ça, les frihazouj, ou un disouj. Donc 2 fois 2, divisé par 2, ça fait 2. Donc 2 sur 6, c'est 1 sur 3. Donc la probabilité que la distance entre x et y soit supérieure à 3, c'est égal 1 sur 3. C'est égal 1 sur 3. Ça, c'est un exemple simple. Pour un cas d'ensemble fondamental infini non dénombrable. Et d'aquim photo, les intervalles. Lorsqu'on a des intervalles, on est obligé souvent de passer par ça. Mais la formule est toujours la même. Cas favorable, c'est cas possible. Donc, mais c'est halat favorable. Donc, mouafiq al-A, maqsoum al-halat munki. Alors là, on a aussi, donc ensuite, ce qui s'appelle les probabilités conditionnelles et indépendantes. On passe à un autre point. Je prends oméga, non son fondamental. E, un événement donné, quelconque. La probabilité conditionnelle, de A sachant que E, A sachant que E, donc un des ouches tels événements, un des ouches tels événements, E ou A. A sachant que E, A elle-même E, A elle-même un des E, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire E t'haqqaq. أنا أعرف اللي أتحقق. واش هي لا بروبابيتي باش أ تتحقق؟ كيلي لا بروبابيتي دو أ ساشون هاد لا بار هكا انكليني كوم سا ساشون أو لا بروبابيتي دو أ ساشون أو معناها واش هو الاحتمال تاع أ علما أنه أ تحقق بروبابيتي دو أ ساشون كو أ سي رياليتي كيلي لا بروبابيتي دو أ ساشون أو لا فورمولي لا سويفونت. La probabilité conditionnelle, elle dit la probabilité conditionnelle de A sachant E, c'est probabilité de A inter E divisé par probabilité de E. Ça, c'est la formule.
probabilité de A, علما أنه E تحقق, هي probabilité de A inter E, divisé par probabilité de E. Très important, probabilité conditionnelle, il faut retenir la formule. Probabilité de A, sachant E, علما أن E تحقق, احتمال A, بحيث أن E تحقق, ça y est, c'est déjà réel, je suis sûr que E تحقق. Alors, c'est égal à probabilité de A inter E divisé par probabilité de E. Bon, ça, c'est pas la peine. Je prends un exemple directement. On vous dit, on jette 2 dés. Qui veut dire, sachant, ça veut dire que ça, c'est déjà réalisé. Donc, j'ai jeté 2 dés, où la somme des faces, ça m'a donné 6. Alors, le premier dé, Kadrijim L6, deuxième dé, Kadrijim L6, on a la somme, les Bentley, qui, quand j'ai jeté les 2 dés, la somme binatum, c'est 6. Calculer la probabilité que l'un des 2 dés est donné 2. Donc, le mjmou, c'est 6, Donc, ça, 6, c'est réalisé. Quelle est la probabilité? Ben, je vois les 2 dés, atteignez 1, 2. Bien. Je prends E. Donc, il s'est réalisé. La somme égale à 6. Un des décaps possibles, les homa, l'oulijib 1, l'oulijib 5, l'oulijib 2, l'oulijib 4, l'oulijib 3, l'oulijib 3, donc il y a des réia. Ou là, j'inverse, donc 4, 2, 2, 4, ou 4, 2, mais l'oulijib 4, l'oulijib 2, l'oulijib 5, l'oulijib 1. Donc, il y a des cas possibles, parce que un des, fait le L6, mais qu'un 6, 0, mais qu'un 0, mais qu'un, ça n'existe pas. D'accord? Fait des, mais le 1, le 6, il n'y a pas de 0. Faire attention à des scénarios qui le viennent souvent. Les scénarios 0, 6 et 0 flédé. Ça n'existe pas le 0 flédé. C'est même 1, 6. Bien. Donc, soit le ouvre, je l'ai 1, 0, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Donc, les cas possibles. Fle E, je suis connu un dimension égal à 6. 2 plus 4, 3 plus 3, 4 plus 2, 5 plus 1. Bien. A, on va dire que vous allez, c'est au moins l'un des 2D, j'ai bien 2. Alors, A inter E, donc, chassni, ou ahad fihum ala l'aqal fait 2. A inter E, c'est quoi? C'est 2, 4 et 4, 2. Ahouma. 1 D, 2 D, j'ai 2, c'est 2, 4. Quand j'intersecte avec E, je n'ai pas dit la formule. Quand j'intersecte avec E, ça me donne 2, 4 et 4, 2. Donc, la probabilité de A sachant E, c'est quoi? C'est probabilité de A inter E, divisé par probabilité de E. Alors là, j'ai 2 divisé par 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 divisé par 5. Donc, la probabilité de A, probabilité d'avoir un 2, fois les 2D, sachant que la somme est égale à 6, c'est 2 sur 5. Alors, on aurait pu faire de l'exercice autrement. Qu'on a foutu à la grande oméga. Alors, grand oméga, dans son fondamental, quand je jette 2 dés dans son fondamental, fait 36 cas. Parce que 6 fait 6, fait 36 cas. Je jette 2 dés. Alors, dans son fondamental, c'est 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Alors, 2, 1, 2, 2, ainsi de suite. Un des 36 cas. Ou A, en fait, c'est Ada, avoir au moins l'un des. Oui. لا يخليك مادام كولور لي قالت لك الا عندك درو كامل جروب شغل تقسمهم شغل ا 11 عاود كامل يقراو عندها بصح انا جي ديجا كومونسي ياه بصح زعما درو عندك كامل جروب سي سا عندي ان جروب عندي دو جروب يا داكور نقولها كي نكملوا لا سيونس نعاودو نجيو عندك كامل بور لو بروشين فوا ان شاء الله سي ال فو اون بو بروندر جروب ما كاش مشكل بور لو بروشين فوا ان شاء الله يا داكور مسيو ميرسي Donc, d'accord. Donc, grand oméga, c'est tout ça. Fait 36 éléments. Ou à obtenir au moins un 2. Alors, on fait ça. C'est un peu pénible. Donc, on a un petit peu gagné du temps. On aurait pu faire l'exercice autrement. Bien. Alors, on a un premier théorème, c'est ce qui s'appelle théorème de la multiplication. En fait, théorème de la multiplication, c'est assez simple. Njibo, la probabilité conditionnelle. Probabilité de A inter E, c'est probabilité de E fois la probabilité de A sachant. En fait, qu'est-ce qu'on a fait, Naya? Regardez bien. Elle dit la formule.
on l'a écrit différemment. Probabilité de A inter E, probabilité de A inter E, c'est égal probabilité de E fois probabilité de A, sachant que probabilité de A inter E, c'est égal à probabilité de E fois probabilité de A, sachant que. Alors, donc, c'est une probabilité conditionnelle, c'est une conséquence directe. C'est ce qui s'appelle le théorème de multiplication. On a une formule encore plus générale, une formule plus générale. Si vous voulez calculer la probabilité de plusieurs intersections, A1, inter A2, inter A3, inter AN, la formule de multiplication, le théorème de multiplication qui généralise ça, c'est quoi? C'est probabilité de A1 fois probabilité de A2 sachant A1. Probabilité de A2 sachant A1. Fois probabilité de A3 sachant A1 inter A2. Fois probabilité de A4 sachant A1 inter A2 inter A3. Et ainsi de suite, notre probabilité de AN sachant A1 inter A2 inter AN moins 1. C'est ce qui s'appelle le théorème de multiplication. Ça, c'est la formule de multiplication. Je prends un exemple pour appliquer le théorème de multiplication. Donc, on a un lot qui contient 12 articles. Donc, 4 sont défectueux. Des appareils, ou là, je ne sais pas, des ampoules électriques, ou là, un des fihomes qui sont défectueux, mais qui ne cherchent. Des ampoules mahrougaines, si vous voulez. Donc, on a 12 articles. Donc, 8 ملاح ou 4 مهرسين, si vous voulez. Donc, 8 ملاح ou 4 مهرسين. On tire au hasard, je ne sais pas, je ferme les yeux, je tire au hasard, 3 articles du loup, l'un après l'autre, un mort l'autre, je ne vais pas faire 3 drogues, je vais faire 1, sans remise, je le mets de côté, je le mets de côté, donc je tire l'un après l'autre, un mort l'autre, 3 articles, l'un après l'autre, et je les mets à part. Je ne les rends pas dans le sac. D'accord? Bien. On vous dit calculer la probabilité P pour que les 3 articles tirés ne soient pas défectueux. La probabilité P, c'est que les 3 articles sont défectueux. Je répète l'exemple. On a 12 articles. Dont 4 sont défectueux. Je tire un premier, out un deuxième, out un troisième. On a tombé à part, mais on a tombé sur le lot. Quelle est la probabilité que j'ai les 3 que j'ai eu là? Je suis défectueux. Alors, qu'est-ce que je fais? Le plus important, c'est de bien écrire les événements. Alors, je vais dire, A1, c'est le premier article n'est pas défectueux. A2, le deuxième article tiré n'est pas défectueux. A3, le troisième article n'est pas défectueux. Alors, la question qu'on nous pose, c'est qu'on dit A1, A2, A3. Maintenant, l'intersection des trois. Maintenant, le premier et le deuxième et le troisième, Kingul E, c'est une intersection. Kingul E, c'est une intersection. Kingul O, c'est une union. Kingul E, c'est une intersection. Kingul O, c'est une union. Donc, je prends A1 inter A2 inter A3. Donc, je veux calculer la probabilité de A1 inter A2 inter A3. Je veux calculer la probabilité de A1 inter A2 inter A3. J'applique la formule de multiplication, le théorème de multiplication. C'est ça. Alors, regardez bien, ça va faciliter le calcul. La probabilité de A1, donc la probabilité de Benjib, un premier qui n'est pas défectueux, je rappelle, Andy, Rabam Hersin ou Tmeniamle. Pas défectueux, donc c'est 8 sur 12. Cas favorable sur cas possible. Ensuite, regardez bien au chien de cercle. Donc, ça, c'est probabilité de A1. Ensuite, c'est probabilité de A2, sachant que A1. Donc, ça, il n'est pas défectueux. Ça, c'est réalisé. Donc, sachant que le Woul n'est pas défectueux, je mets quoi je défectueux. Alors, puisque je mets le Woul, déjà, je mets le Woul, je 12 sac. Je mets le Woul, je mets 11. Donc, le deuxième, probabilité que le premier est déjà défectueux, donc il est 7. Mais je suis défectueux, parce que déjà je vais être 1. Ou le cas possible, c'est 11. Parce que déjà, je vais être 1. Donc, probabilité de A2, sachant A1, c'est 7 sur 11. Et probabilité de A3, sachant que A1 inter A2, je suis défectueux, ou 0, je suis défectueux. Donc, déjà, je vais être 2. Je vais être 2, donc je vais être 10. C'est 6 sur 10.
alors la probabilité الاول يكون ماشي ديفيكتيو والزوج ماشي ديفيكتيو والثالث ماشي ديفيكتيو اللي هي لا بروبابيلتي دو ا1 انتر ا2 انتر ا3 اللي هي هذه لا فورمول بروبابيلتي دو ملتيبليكاسيون فورمول دو ملتيبليكاسيون هذه لا فورمول كو جابليك ا3 ça me donne 8 sur 12 fois 7 sur 11 fois 6 sur 10. 8 sur 12 fois 7 sur 11 fois 6 sur 10. Ce qui me fait 14 sur 55. Donc ça, j'ai appliqué la formule de multiplication. La formule de multiplication. Donc ça, c'est ma probabilité. Ça me donne 14 sur 55. Vous m'entendez? Vous m'entendez ici? Oui, monsieur. Donc, on s'était arrêté au théorème de Bayes. Ça, c'est très important. J'insiste sur le théorème de Bayes. Alors, il y a des conditions à vérifier. Soit oméga non sont fondamentales et vous avez A1, A2, AN, une partition de oméga. Je m'en ai une partition. Maintenant, A2 et AI s'excluent mutuellement. Ils s'excluent mutuellement. Maintenant, l'intersection de c'est l'ensemble vide. AI inter AJ est égal à l'ensemble vide. Ils s'excluent mutuellement. L'union de Taham, c'est un méga oméga. C'est très important le théorème de Bayes. Très important. C'est qu'on a un A1, A2, AN. C'est ce qui s'appelle un système complet d'événements. Un système complet d'événements. Une partition de oméga. Il s'exclut de A2, les événements s'excluent de A2. L'intersection de A2, c'est l'ensemble vide, ou l'union de A2, c'est l'ensemble vide. C'est ce que je vais appliquer le théorème de Bayes, formule de Bayes. La formule de Bayes, je vais vous dire, si B est un événement quelconque, un B quelconque, la probabilité de AI sachant B, AI sachant B, c'est quoi? C'est la probabilité de AI, fois la probabilité de B sachant AI, maximum la probabilité de A1, fois probabilité de B sachant A1, plus probabilité de A2, probabilité de B sachant A2, ainsi de suite, plus probabilité de AN, fois probabilité de B sachant A1. Alors, ça, c'est la formule de Bayes. L'intérêt à la formule de Bayes, c'est que tu calibres la probabilité conditionnelle. Je fais une probabilité de AI sachant B, ou une probabilité de B sachant A1. Donc, dans le cas, on sait la probabilité de B sachant AI, ou on sait la probabilité de AI sachant B. Alors, B, je voulais atteindre l'inverse. Il y a la probabilité de AI sachant B, la probabilité de B sachant A. Ça, j'insiste. Si on a un système complet d'événements, 2 à 2 disjoints, ou l'union de Tiham y atteindre oméga. 2 à 2 disjoints, ou l'union de Tiham y atteindre oméga. C'est très important. Ça, c'est la formule de base qu'on verra faire les exercices. Je n'ai pas le temps de prendre ici un petit exemple. On fera un exercice assez complet. Mais ça, c'est très important. Ça revient souvent. J'insiste. Ça revient souvent. On a aussi une formule, elle est la formule de probabilité totale. Ça, c'est ce qui s'appelle la formule de probabilité totale. Toujours les mêmes conditions. On a dit un système complet d'événements. Moi, je mets un système complet d'événements. On a l'intersection de 2 à 2, zouj bzouj. L'intersection de Tiham, c'est l'ensemble vide. Ou l'itihad de Tiham, l'union, il y a un oméga, l'ensemble fondamental complet. Alors, on dit la formule, la probabilité d'un événement quelconque, c'est quoi? C'est égal à la probabilité de A1 fois probabilité de B sachant A1, plus probabilité de A2 fois probabilité de B sachant A2, plus probabilité de A1 fois probabilité de B
sachant c'est une probabilité totale, la formule de probabilité totale. Short, et qu'on a dit un système complet d'événements. Un système complet d'événements. Bien. Alors, on dit que deux événements sont indépendants. Indépendants. Alors, des étudiants confondent, mais indépendants s'excluent mutuellement. Indépendants. Le groupe les A ou B sont indépendants, mustaqidlan, indépendants. Il y a une probabilité de A intermédiaire dans la probabilité de A fois la probabilité de B. Ne pas confondre, s'il vous plaît, ne pas confondre avec s'exclure mutuellement. S'exclure mutuellement, معناها il a تحقق واحد l'autre ما يتحققش. معناها intersection est égal à l'ensemble vide. Alors, événement indépendant, il y a quand même l'intersection. Probabilité de l'intersection, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B. Il y a l'intersection tout le produit. Il y a des probabilités de A inter B est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B. Alors, en gros, ils sont indépendants. Alors, Ninjet a dit indépendant. Ninjet. Si vous vous souvenez, c'était en multiplication, la probabilité conditionnelle, la probabilité de B sachant A, c'était la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Quand je n'ai pas la probabilité de multiplication, théorème de multiplication, c'était la probabilité de A inter B est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. Probabilité de B sachant A. Donc il a qu'un A ou B indépendant. Il a qu'un A ou B indépendant. On a tarif, A ou B indépendant, mais là, la probabilité de l'intersection est égale à la probabilité de A fois probabilité de B. Donc je remplace probabilité de A inter B, c'est probabilité de A fois probabilité de B. On dit probabilité de A à probabilité de A, je simplifie formellement, et j'ai les probabilités de B sachant A est égale à la probabilité de B. Probabilité de B sachant A, c'est probabilité de B. Ah ouais, je remplace ici. Probabilité de A fois probabilité de B. Probabilité de A, je simplifie ma probabilité de E formellement, je précise. Cadre probabilité de A, c'est 0, je ne peux pas simplifier. Probabilité de A, ma probabilité de A, je le simplifie. Et quand les probabilités de B est égale à probabilité de B sachant A. Donc la probabilité que B, sachant que A s'est réalisé, il y a probabilité de B. Mais A est mais attache la probabilité de B. Donc la probabilité, sachant que A s'est réalisé, c'est en fait probabilité de B. C'est ça, deux événements indépendants. Il a A, ça n'influe absolument pas, sur la probabilité de B. Probabilité de B, sachant A, c'est toujours probabilité de B. C'est ça, deux événements indépendants. J'insiste, c'est ça, deux événements indépendants. Je prends juste un petit exemple. On a deux étudiants, X ou Y. X, chef la note A ou j'ai la moyenne 10. Ça n'a aucune influence sur la note Y. Donc ça, c'est des événements, sachant que j'ai 10, l'étudiant Y, cadre j'ai 20, cadre j'ai 1, cadre j'ai 2. Par contre, l'infred, X ou Y, révisé au ma'abad, ou préparé au ma'abad, ils ont fait la même chose, déroulent la même réponse. Il y a qu'un A, j'ai 10, ça influe sur la note de B. Sachant que A, j'ai 10, normalement, c'est le B, j'ai 10, puisque révisé au ma'abad, ou au ma'abad. C'est ça, deux événements indépendants, ou là, non indépendants. Donc, indépendants, واحد يتحقق ما يأثرش على الآخر. Probabilité de B sachant A, c'est probabilité de B. C'est ça, deux événements indépendants. La réalisation de B n'est pas influencée, par celle de A. On dit que A et B sont indépendants. On prend un petit exemple. On a deux tireurs. Donc, Rami, il tire sur une cible. Elle cible là. Donc, il tire, deux tireurs s'exercent, ils tirent ou ils s'exercent sur une cible. La probabilité bêche A, il touche la cible, c'est 1 sur 4. La probabilité bêche B, il touche la cible, c'est 2 sur 5. Donc, il y en a un bon tireur ou un moins bon tireur, si vous voulez. Donc, la probabilité que A touche la cible, c'est 1 sur 4. La probabilité que B touche la cible, c'est 2 sur 5. Alors, on vous dit, A et B tirent indépendamment. ماشي واحد يديرونجي واحد ولا يجي الاول يتيري بوحده وعاود يجي الزوج يتيري بوحده يا با دا لا انفلونس با لوت سي انديبوندون دونك ا يتيري انديبوندامون دو بي
Alors, on vous dit quelle est la probabilité que la cible soit atteinte. Il y a A, il y a B, mais il y a donc j'ai A tiré, j'ai B tiré. Là, on va voir la cible, est-ce que touche ou l'aile. Donc, soit A touche A, soit B touche A. Donc, finalement, alors on vous dit probabilité que A touche, c'est 1 sur 4. Probabilité que B touche, c'est 2 sur 5. Là, ce qu'on cherche, c'est A union B. La probabilité de A union B. Il y a imma A touche A, il y a imma B touche A. Où? Donc, où? Donc, c'est une union. Donc, je cherche la probabilité de A union B. Alors, la probabilité de A union B, si vous vous souvenez, ça, c'est on l'a donné en premier, la formule, c'est probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Moins la probabilité de A inter B. Donc, c'est probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. A inter B, mais la heureusement, les événements sont indépendants. Alors, madame, les événements sont indépendants. Probabilité de A inter B, c'est probabilité de A fois probabilité de B. Donc là, je vais avoir probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de l'intersection, c'est probabilité de A fois probabilité de B. Attention, comme ils sont indépendants, je n'aurais pas pu faire ça. On nous l'a dit, ils sont indépendants. Donc ça donne, je remplace, 1 sur 4 plus 2 sur 5 moins, donc un essai de probabilité. Je trouve 11 sur 20. Donc, la probabilité que la cible soit touchée, la cible est touchée par A ou par B, c'est 11 sur 20. 11 sur 20. Donc, ça, c'est une application pour voir un petit peu l'intérêt d'événements indépendants. Alors, on a deux événements. Attention, il y a un des trois événements ABC. Alors, on dit que A, B et C, trois événements droits, sont indépendants. Il y a un des deux conditions. Attention. La probabilité de A inter B, c'est probabilité de A fois probabilité de B. C'est-à-dire qu'il y a A et B indépendants. À la probabilité de A inter C, il y a probabilité de A fois probabilité de C. Au probabilité de B inter C, il y a probabilité de B fois probabilité de C. Attention, les étudiants, Audin, c'est la deuxième condition. L'intersection de l'état, probabilité de A inter B inter C est égal à la probabilité de A fois probabilité de B fois probabilité de C. Donc, trois événements sont dits indépendants. Le groupe les A ou B, c'est sont indépendants. Il est qu'un dit Hadi ou Hadi. En même temps, attention, attention. Souvent, les étudiants, ils savent où Hadi la deuxième. Donc, c'est ça, trois événements indépendants. On prend un petit exemple. On jette deux pièces de monnaie. On veut jeter les pièces de monnaie. Donc, le oulet j'ai pile ou face, ou j'ai jeté pile ou face. Il n'y a pas autre chose. On considère les événements suivants. Donc, un des trois événements, A ou B ou C. A, face, apparaît sur la première pièce. Maintenant, je les fasse. B, l'événement B, face, apparaît sur la deuxième pièce. Maintenant, face, je les fasse, la deuxième. Donc, on a mis un test, j'ai les pièces, donc, A, face, apparaît sur la première, B, face, apparaît sur la deuxième, ou C, face, apparaît sur une seule des deux pièces. Il y a mais pas les deux. C, l'événement C, face apparaît sur une seule des deux pièces. Donc, la question, A, B, C, sont-ils indépendants? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Radin applique, on va dire la formule. On va voir les deux conditions, on va faire la probabilité de A, on va faire la probabilité de B, on va faire la probabilité de C, on va faire ce calcul-là. Alors, A, face apparaît sur la première pièce, B, face apparaît sur la deuxième pièce, C, apparaît, face apparaît sur une seule, les deux. A, B, C sont ils indépendants. Bien. Alors, grand oméga, dans son fondamental, qui est une prise de pièces, il émerge les face-face, il émerge les face-pile, il émerge les pile-face, il émerge les pile-pile. Donc, il y a les cas possibles. Il y a oméga dans son fondamental. Il y a les résultats possibles lorsque je jette deux pièces. A, Geruna, face apparaît sur la première pièce. Donc, il y a face sur la première pièce, ou il y a face sur la première pièce. On a dit face, ça sera la deuxième pièce. Donc A, c'est face-face ou la face-pile. La probabilité de A, cas favorable, 2 sur cas possible, 4. Donc c'est 2 sur 4, c'est 1 sur 2. Donc la probabilité de A, c'est 1 sur 2. B, Geluna, face apparaît sur la deuxième pièce. Face apparaît sur la deuxième pièce. Donc c'est pile-face ou la face-face. Deuxième pièce, fait face. Donc face-face ou la pile-face. Même chose, un des deux événements favorables, sur les cas possibles, c'est 4,
Ça me fait 2 sur 4, donc ça me fait 1 sur 2. Bien. C, face apparaît sur une seule des deux pièces. Une seule. On a dit face-face, on a fait juste face. Mais on a une seule des deux pièces. Donc c'est soit face-pile, soit pile-face. Donc c'est face-pile ou la pile-face. La probabilité de c'est-à-dire c'est 1 sur 2. Bien. Maintenant, je vais voir, je vais vérifier les conditions de Tawana. Les hommes à donc, on va dire 2 par 2, A inter B, A inter C, A B inter C, ou on va dire les 3. Donc, je prends A inter B. A inter B, c'est face-face. Probabilité de A inter B, c'est 1 sur 4. Probabilité de A inter B, c'est 1 sur 4. Alors, quand j'ai cette probabilité de A fois probabilité de B, c'est 1 sur 2 fois 1 sur 2, ça fait 1 sur 4. Donc, c'est vérifier la première condition. Ah oui. Probabilité de A inter C. A inter C, je trouve l'intersection, A inter C. C'est face pile. On dit un seul élément commun. L'intersection, c'est face pile. Donc, c'est 1 sur 4. La probabilité, c'est 1 sur 4. Cas favorable, sur cas possible, 1 sur 4. Je calcule probabilité de A fois probabilité de C. 1 demi fois 1 demi. 1 demi fois 1 demi. Ça fait 1 sur 4. C'est bien, c'est vérifié. Probabilité de B inter C. B inter C. Alors, B inter C, ça donne pile face. Pile face. On dit un seul élément commun. Sa probabilité, c'est 1 sur 4. Donc je calcule probabilité de B fois probabilité de C, 1 demi fois 1 demi, 1 demi fois 1 demi, ça donne 1 sur 4. Donc la première condition, elle est d'où là? Vous vous souvenez, elle est vérifiée. Donc si je chauffe les trois, probabilité de A inter B inter C. Alors A inter B inter C. Alors A inter B inter C, regardez bien, A inter B inter C. Je fais l'intersection. Alors A inter B, si vous voulez, A inter B c'est face-face. A inter B c'est face-face. Ou on a dit face-face. Donc A inter B inter C, c'est l'ensemble vide. A inter B inter C, c'est l'ensemble vide. Mais quand j'ai des éléments communs de A ou B ou C en même temps. A inter B, c'est face-face. Ça a aucun dire A inter B inter C, il n'y a qu'un face-face. Donc il n'y a pas d'intersection. C'est l'ensemble vide. La probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. Je finis les propriétés. Alors maintenant, je calcule probabilité de A fois probabilité de B fois probabilité de C. Ça fait 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 sur 8. Alors, on a j'ai 0, on a j'ai 1 sur 8. Donc, elle dit la condition n'est pas vérifiée. Madame, elle dit la condition n'est pas vérifiée. La conclusion interne, c'est que A, B et C ne sont pas indépendants. A, B, C ne sont pas indépendants.